tout le monde. Aujourd'hui, on revient avec The Gorgeous Look. Un look, on va dire, plutôt sexy. Habituellement, on porte avec un smoky des lèvres très peu chargées. Mais là, j'ai voulu un peu changer, aller contre cette règle. Et voilà, on obtient ça. C'est-à-dire un smoky intense et qu'avec du noir. Et une bouche rouge-orangée. Voilà, pour mettre un peu de couleur dans tout ça. Donc, cela dit, j'espère quand même que ça vous plaira. Je sais que c'est pas forcément portable pour tout le monde, c'est vrai. Mais j'ai fait un dernier smoky dans les tons marron qui est largement plus portable que celui-là. Donc, si ça ne vous convient pas, vous pouvez tout simplement aller voir ce que j'ai fait précédemment et je pense qu'il vous conviendra. Sinon, je vous conseille de regarder la suite de la vidéo pour voir comment je réalise ce look. Et je vous dis à la prochaine. Bisous, ciao. Après avoir appliqué une base, j'applique grossièrement sur ma paupière mobile un crayon colle gras que je vais ensuite estomper au doigt. Cette base noire permettra en fait de créer un smoky intense. On en applique également sur la paupière inférieure ainsi que dans la muqueuse. Vous n'aurez besoin ici que d'un seul fard, rien de bien compliqué. Il suffira simplement de l'appliquer par-dessus notre base noire. Avec un bout de scotch, ou comme moi avec une carte, on va pouvoir donner une forme qui s'étire au niveau du coin externe. Cette forme allongée, plutôt qu'arrondie, donne moins l'illusion d'avoir un œil au beurre noir. Bien sûr, on estompe les bords pour éviter les démarcations. Ici, on applique ce même fard sur la paupière inférieure. En touche lumière, j'applique une ombre à paupières de couleur chair. Et pour finir avec les yeux, on met du mascara. On passe aux lèvres. Je commence par faire le contour des lèvres pour les définir et pour que le rouge à lèvres ne file pas. Ici, j'estompe parce que mon crayon n'est pas exactement de la même couleur que mon rouge. J'applique ensuite mon rouge à lèvres rouge-orangé et par-dessus un gloss de couleur orange. Et le mélange des deux est vraiment, vraiment très beau. Enfin, on passe au blush. J'ai choisi un blush qui tire un peu sur l'orange. Attention à en appliquer en petite quantité et de surtout bien l'estomper. Comme toujours, pour mieux cibler les pommettes, on sourit! Et voilà pour ce look totalement gorgeous. J'espère que ça vous aura plu. Pour en voir plus, il vous suffit simplement de cliquer sur s'abonner. C'est rapide et gratuit. Allez, je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel.